dans une autre aile du musée, beaucoup moins fréquentée, un public très averti et très assidu, les copistes. Voilà, nous allons entrer dans le local des copistes, pour entreposer le matériel, vous venez, entrez. Ils copient, comme leur nom l'indique, des tableaux du Louvre, sous le contrôle de Maïtène de Ferrier. Le musée leur fournit un chevalet chacun. La même chose. 23 chevalets pour un secteur du musée. Pour le secteur Richelieu, pour la partie de l'école du Nord et l'école française à Richelieu. En tout, environ 150 copistes inscrits au Louvre cette année, dont 20% d'étrangers. Regardez, c'est votre laissez-passer, voilà. Oui, ils viennent exprès au musée. Oui, parce qu'ils ont entendu parler de cette tradition de pouvoir copier d'après les grands maîtres au Louvre et... Je crois que leur professeur aussi les incite à le faire. Les copistes ont 3 mois pour réaliser leur travail. Leur toile ne doit pas quitter le musée avant d'être achevée. De mettre une punaise avec elle. Oui, voilà. Comme ça, je vous dis, ça permet d'identifier plus rapidement. Et pour vous, d'ailleurs, pour moi, perdre de temps le matin quand vous venez. Parce que les chevalets restent là avec les toiles. Ils restent en pension avec les copies des uns et des autres. Oui, juste la durée d'autorisation. Entre les vis, d'accord ? Ce matin, c'est ce que Maïtène de Ferrier appelle l'installation. Un peu intimidant. Approchez-vous, tenez, je vous donne aussi un chevalet. Ben, je crois que certains, oui, ont un petit peu d'appréhension, puisqu'ils travaillent au vu du public, et salle ouverte au public. Et puis devant l'œuvre choisie du grand maître aussi, là, je crois qu'il y a un petit peu de trac. Tous les grands ont peint au Louvre, c'est très émouvant. Tous les grands peints, donc, mais pas dans les grands peintres. On fait comme eux, quoi. C'est une tradition, c'est une vieille histoire. L'ambiance qu'il y a au Louvre, on l'a pas au musée d'Orsay. Surtout mes petites camarades. On est toutes les deux presque côte à côte. Thérèse et son amie Delphine. Toutes les deux viennent copier au Louvre pour la première fois. Vous avez fait donc des crayons, quelques-uns, vous me montrez aussi. Oui, je fais alors, un petit repère. Le point de repère, c'est bien, c'est la vie. Enfin, voilà. Mademoiselle a fait des repérages. Des repérages, croquis à main levée. J'ai choisi une figure parmi l'ensemble. Donc, la figure de la victoire, oui. Oui, il y a des tableaux de prédilection, des œuvres de prédilection qui sont choisies régulièrement, et puis des détails qui sont très connus. Comment on choisit une toile? Ah, la grande question. Le choix un coup de foudre. Oui, voilà. J'ai eu un choc, c'est celle-là. Une dernière précision avant de se mettre à travailler. La toile de Delphine, comme celle de Thérèse, ont été estampillées avant d'être introduites dans le musée. Ah, c'est la marque du Louvre. C'est-à-dire qu'il y a un tampon autorisation de copier qui est apposé au verso et le délai qui est de 3 mois. Donc, du 26 janvier 2000 jusqu'au 26 avril. Ces mentions sur le dos du tableau pour décourager d'éventuels faussaires. Une signature. Tenter de travailler directement sur les originaux dans les salles du musée. Très vite, on oublie les gens derrière. Et c'est vrai. On est tellement pris par son dessin qu'on oublie tout compte fait les gens. Et qu'on oublie qu'on est au musée du Louvre. Pas tout à fait. Oui, oui, on est dans son truc. Le truc de Thérèse, ce tableau de Rubens. Quand je me suis trouvée à la retraite, je me suis dit pourquoi pas faire de la peinture. Et je me suis lancée comme ça. Je me suis donné 20 ans, donc à 80 ans. Je voudrais devenir peintre, c'est-à-dire dans la tête. Vous savez, savoir comment ils pensent, comment ils voient les choses comme les peintres. Voilà, mais je vous dirai ça dans 20 ans. Dans 18 maintenant. Donc, je vais me reconcentrer. Juste derrière Thérèse, Delphine travaille aussi sur un Rubens. Tous les quarts d'heure environ, elle se concerte. Vous saviez que vous alliez travailler côte à côte. Oui, c'est ça. Mais on pense. Mais on ne voulait pas se parler. On s'est dit, bon, on fait chacune notre. Et finalement, on se parle. Les deux copistes. Les premiers, c'est les copistes. Oui. On est japonais. Ah, les japonais aussi ? Ouais, oui. Vous
photographié? Oui, pour prendre la voix sur les travaux, parce qu'après on se rappelle plus ce qu'il y avait dessous. J'aime bien aussi le côté fouillis, quoi, parce qu'il s'installe partout, c'est rigolo. C'est un peu comme à Paris, petit matin, on voit la ville s'éveiller, ben là c'est pareil, on voit le Louvre qui s'éveille. Delphine, tu me passes du doigt, je ne trouve pas. C'est un plaisir infini pour celui qui aime la couleur à copier des Rubens, j'imagine. Et puis d'être ensemble dans un lieu aussi grand, quand les appartements sont tout petits à Paris, c'est très bien. Parce que l'espace, ça permet de rêver aussi. Donc le Louvre est bien pour ça. L'espace est propice aux rêves, à cogiter et à... C'est un luxe. Pas au-delà de la mi-journée. Très important, tu dois plier. Oui, il plie là, voilà. C'est fini. Ils ne peuvent pas rester toute la journée. Au-delà, il y a trop de monde dans les salles. Et les gardiens sont comme des personnages qui dansent, qui se promènent. Ah, vous nous regardez aussi? Ah oui, oui, oui. Et on ne dit pas les gardiens. On ne dit pas, alors, je ne sais pas comment on dit. Oh, on dit les surveillants. Les surveillants. Au Louvre, il y a des artistes depuis 4 siècles. C'est une tradition très ancienne qui remonte à Henri IV. Bien avant l'ouverture du musée au public, après la Révolution. Nous rejoignons Delphine dans son atelier. Ouais, c'est Thérèse, ouais. C'est une vision de Thérèse, vue sous différents angles. Ça, c'est Thérèse. Je crois que c'est la peinture et le dessin qui nous a liés parce que ouais, on se connaît pas beaucoup finalement. On est accro du Louvre. Vous êtes accro du Louvre? Ouais. Des fois, on se déplace que pour un tableau et on reste toute une journée assise devant le tableau. Thérèse, elle me disait que des fois, elle fait la sieste là-bas. C'est vrai, nous, on y va au moins une fois par semaine, en tout cas, toutes les deux, quoi. Alors ça, c'est un carnet du Louvre, André del Sarto, Le Corrège. Ça, c'est une vue du Louvre, hein, de la galerie du Louvre. C'est notre passé, ça nous renvoie à beaucoup de choses, à un acquis qu'il ne faut pas perdre. Je crois que nos racines, elles sont là. Michel-Ange. Fragonard. C'était des novateurs et nous aussi, on a besoin d'eux pour évoluer, quoi. Je crois que c'est... comme un enfant a besoin de ses parents, ben nous aussi, on a besoin... C'est nos parents, quoi. Rubens et Rubens.